C'est génial d'avoir 47 bateaux ici, il y a un plateau de feu et puis on a une belle journée donc c'est bien et on a fait un joli convoyage pour descendre dans 25-30 nœuds et donc ouais, hâte d'aller sur l'eau. Eh ben on va bien bronzer, ça va être sympa, vaut mieux démarrer en solo dans ces conditions que dans 25 nœuds. Donc non, ça va être sympa sur l'eau. Après on va pas essayer de pas être dernier quoi, pas être ridicule quand même, quoi, parce qu'il y a du niveau. Parce que je suis serein, bah, pour une première c'est cool parce que il n'y a pas trop de vent, ça va désinhiber un peu quoi. Il y aurait 25 nœuds, ça aurait été pas la même. Bah, forcément un peu d'appréhension, mais hâte d'en découdre, histoire de voir un peu où on en est après cette prépa, cet hiver. Il y a des hommes d'expérience autour de nous, hein, ouais. Mais bon, après, on va un peu tous se retrouver dans le même rush et puis gérer les mêmes problèmes. Bah ouais, tout le monde découvre le bateau, donc c'est vrai que ça remet un petit peu peut-être les choses. Voilà, bah bon, après, ils ont quand même une expérience immense que ça, justement, ça va être super de pouvoir apprendre d'eux et de voir sur l'eau comment ça se passe et tout ce qu'ils peuvent nous montrer. Et donc, du coup, on va essayer d'apprendre le maximum de. Deux quoi. C'est un peu fou mais c'est trop bien. Ah c'est trop bien. Mais bon, j'ai du mal à réaliser. Pas beaucoup de vent, le vent a beaucoup tourné, il y a eu des passages à niveau, ouais non c'était compliqué et non je suis super content de ce résultat, c'est incroyable pour ma première course en solo donc je savoure. C'est quelque chose d'avoir le vainqueur du Vendée Globe juste derrière. Ouais bah super, moi je connaissais pas donc je découvre, hein, il y a 47 bateaux dont 47 concurrents donc. Mais il a super bien navigué, on était en contact quasiment pendant une bonne partie de la course et voilà, il a su faire la différence et après maîtriser jusqu'au bout, donc bravo à lui. Non mais je suis content, je crois que je termine 9e de la course du jour, donc c'est plutôt un bon résultat, après un petit peu déçu parce que j'ai toujours été devant, du départ jusqu'à la bouée de Bourgenay. Et même en redescendant au sable, et puis ensuite le vent s'est complètement arrêté, et puis ça a un peu redistribué, mais je m'en sors plutôt bien parce que j'étais pas. Bon, il y a un moment c'était pire, donc j'ai plutôt bien navigué, sans prendre trop de risques, en avançant en vide, donc c'est très positif, très content. Même si c'était assez mou, on a fait quand même beaucoup de manœuvres, beaucoup de changements de monde voile, donc quand même assez physique, donc ouais. Essayer de bien se reposer pour demain, ça devrait être à peu près les mêmes conditions, donc on va voir, ouais.